Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de culture dans son sens anthropologique. Avant tout, il faut savoir ce qu'est l'anthropologie afin de comprendre la conception qu'elle a de la culture. Donc, qu'est-ce que l'anthropologie? L'anthropologie est la science qui étudie l'être humain d'une manière intégrale de ses caractéristiques physiques comme animaux et de sa culture qui est le trait unique non biologique. Maintenant que nous savons ce qu'est l'anthropologie, voyons ce qu'elle dit de la culture. Donc, qu'est-ce que la culture dans son sens anthropologique? Le mot culture, dans le sens utilisé par les anthropologues, signifie à la fois les comportements et les croyances que les gens apprennent et partagent avec d'autres, c'est-à-dire qu'elle fait référence aux traditions qui sont transmises de génération en génération. Elle comprend des sujets tels que la religion, l'organisation sociale et politique, l'économie, les arts et la langue. Selon Edward Tyler, la culture est l'ensemble complet qui comprend la connaissance, les croyances, l'art, la morale, la loi, la coutume et d'autres capacités et habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société. Il est important de tenir compte des caractéristiques de la culture du point de vue anthropologique. Donc, dans ce sens, la culture est apprise, partagée, symbolique, enterrée, adaptative et exécutée. En parlant d'un exemple concret de culture dans son sens anthropologique, nous pouvons faire allusion au jour des morts. Cette fête a commencé au Mexique à l'époque préhispanique. Et aujourd'hui, le peuple mexicain continue à le faire. En d'autres termes, c'est une tradition puisqu'elle a été transmise de génération en génération. La célébration a lieu le 1er et 2 novembre. Ces jours-ci, les familles mexicaines vont dans les panthéons, visitent les tombes de leurs proches, les nettoient et peut-être peignent les pierres tombales. Mettent des fleurs, spécialement des fleurs de mort, appelées cempasúchil ou tajette en français, et allument des bougies. Nous pouvons voir un rite profondément enraciné dans le contexte mexicain, car les comportements, les croyances des gens restent les mêmes, même au fil des ans. En effet, les citoyens mexicains rendent hommage à ses proches décédés. En fait, le Mexicain se rend dans son pays s'il se trouve à l'extérieur juste pour commémorer cette date si importante dans son calendrier. Bon, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention.